Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'épargnez-vous. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est faut-il ou pas souscrire un PERP ? PERP, c'est le plan d'épargne retraite populaire. Alors c'est quoi ce PERP ? C'est une sorte d'assurance vie, mais pas tout à fait. C'est une assurance vie en moins bien, j'allais dire. Donc, la sortie, c'est forcément au moment où vous prenez votre retraite. C'est ces fameux produits, vous savez, qu'on appelait tunnel. Vous allez jusqu'au bout, vous ne pouvez pas sortir avant. La sortie se fait en rente, donc toute l'épargne que vous avez constituée, vous la récupérez sous forme de rente, sauf depuis quelques années, vous pouvez récupérer 20% de cette épargne en capital, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Ensuite, en termes de frais, ils sont beaucoup plus élevés que l'assurance vie, donc par exemple, les frais sur versement atteignent facilement 4 ou 5%, alors qu'en assurance vie, on est plus souvent autour des 3%. Autre élément, le rendement, qui n'est pas folichon non plus. Le PERP, comme l'assurance vie, a un fonds en euros qui fonctionne exactement de la même manière, donc un fonds sur lequel vous ne pouvez pas perdre d'argent, qui est garanti. Et là, très sincèrement, les performances du PERP sont tout à fait décevantes. On vient de le voir, ce PERP, il n'est quand même pas terrible. Alors pourquoi un tel engouement ? On ne vend que du PERP en ce moment. La raison, elle est simple. Le PERP, lui, n'a pas bougé d'un iota. C'est le même PERP aujourd'hui qu'hier, simplement c'est son environnement juridique et fiscal qui a changé. La fiscalité s'est beaucoup alourdie et le PERP, lui, est passé à travers les gouttes. Par ailleurs, vous savez que le plafond global des niches fiscales a vraiment été rabaissé à 10 000 euros et le PERP, encore une chance, n'entre pas dans ce plafond. Cette fiscalité du PERP, justement, à quoi elle ressemble ? Eh bien, vos versements sont déductibles à hauteur de 10% de vos revenus de l'année d'avant, avec une limite bien sûr. Un individu peut au maximum déduire 29 000 euros de son revenu imposable chaque année. C'est pas mal. D'autant qu'il peut aussi, 29 000 euros pour une année, et s'il n'a rien versé les trois années précédentes, il peut utiliser les limites fiscales de chacune des trois années précédentes, ce qui fait au total 4 années. Il peut consommer une année, 4 années. Et donc, pour un couple, vous pourrez cumuler 8 années de versement en totale exonération d'impôts. En clair, ce produit de retraite un peu vieillot est devenu un sacré produit défiscalisant. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire vos calculs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de notre émission hebdomadaire. À bientôt !